L'Institut d'éducation motrice, ANDAS, une association villeurbanaise qui se consacre à l'accueil et aux soins d'enfants et de jeunes polyhandicapés. L'association ANDAS ne s'est pas faite en un jour. Ce sont les efforts conjoints, la volonté à toute épreuve, ainsi que la témérité exemplaire de parents qui ont fait naître avec superbe ce grand établissement. L'IUM ANDAS est déjà né d'un projet qu'on a eu il y a maintenant une quinzaine d'années. Le projet initial, il est vraiment parti d'un groupe de parents lyonnais qui avaient tous des enfants polyhandicapés et qui souhaitaient créer un établissement pour leurs enfants. Ce projet-là, il est venu du fait de notre expérience personnelle, parce que nous étions parents d'un enfant polyhandicapé et que cet enfant avait été refusé dans de nombreux centres. Déjà à l'époque, il y avait des difficultés pour obtenir des places pour les enfants polyhandicapés. Force est de constater, lorsque l'on est parent d'un enfant polyhandicapé, qu'il n'est pas chose facile que de trouver une place dans un centre spécialisé. Refus, regrets et désappointements accompagnent chaque nouveau courrier. Mais revenons sur l'histoire incroyable de cette association. Tout commence en 2003. Lorsqu'un collectif de parents décide de créer l'association Roue Libre. Celle-ci se tournera vers l'association ANDAS, étroitement liée à l'APF, pour l'accompagner dans son projet et assurer la gestion de l'établissement. Quand ils se sont rendus compte de l'ampleur que ça prenait de monter un établissement, ils ont préféré faire appel aux grandes associations. Et en fait, ils ont fait leur choix sur ANDAS pour que le projet aboutisse. Un premier SSAD, service de soins et d'aide à domicile, est ouvert rue de la Poupalière. Et c'était quand même une pièce dans laquelle tout se faisait. Les réunions d'équipe, la présence de la comptable, les rencontres avec les parents. Alors on a fonctionné dans des locaux provisoires, avec une équipe restreinte. Et voilà, ça a été le premier accueil de notre fils. Je sentais tellement l'envie des gens de créer quelque chose, que c'était à la fois très motivant. Et moi, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Alors que dans la réalité, c'était des conditions de travail assez épouvantables. Puis, en juillet 2004, et pour une durée de 3 ans, ce SSAD se déplace rue de la Baïsse à Villeurbanne. L'on compte dès lors 10 places en SSAD et, nouveauté, quelques places en IEM. Et puis le deuxième projet concernait des enfants polyhandicapés, dans une tranche d'âge entre 4 et 12 ans, disons. Il y avait très peu d'enfants, peu d'éducateurs. Ça faisait petite famille, c'était assez sympathique. Comme un appartement. C'était un peu structure familiale. Comme un appartement. Donc ça, c'était aussi un bon moment. Tout le monde participait à faire que ce lieu-là soit extrêmement convivial. Pour les gens qui y viendraient, pour les usagers, ces enfants qui allaient être accueillis. L'investissement et le professionnalisme du personnel n'ont de pareil que sa bonne humeur et son attention constante envers les enfants. Marion, à l'âge de 12 ans, est revenue à la maison et a passé 2 ans avec nous à la maison. L'établissement ne pouvait pas accueillir et n'accueillait pas les enfants au-delà de 12 ans. Et donc ces parents-là avaient dit, on souhaite un établissement spécifique qui les accueille à partir de 12 ans. Et donc il fallait créer un centre qui puisse permettre d'accueillir les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est ce pourquoi nous sommes partis sur ce nouveau projet après les deux premiers. On a imaginé un projet architectural, un projet de vie, un projet pédagogique. Voilà, au début on a beaucoup rêvé. On a eu souvent des moments de découragement et dans ces moments de découragement, voilà, c'est d'une part, enfin, c'était pas vraiment volontaire, mais j'ai toujours espéré moi personnellement. Et puis on a déroulé toutes les étapes qui ont permis la création, le financement et l'ouverture de l'IEM ANDAS de Villeurbanne. Ça a été relativement facile jusqu'au moment d'obtenir le nerf de la guerre, l'argent pour le créer. Alors ça, par contre, ça a été très long. C'est enfin en juin 2007, après de longues années de travail, de concertation, de recherche et de financement, et parfois quelques moments de découragement et de désillusion, que l'IEM ANDAS ouvre ses portes, avec 10 places en SSAD et 32 places en IEM. Dont 16 places d'internat. Le pari est gagné. Une page se tourne. ANDAS commence à écrire les premières lignes d'une nouvelle aventure au 49 bis de la rue Fleury-Papillon. Madame Tisbert occupe désormais le poste de directrice.
Voilà, et puis l'équipe s'est formée, une directrice est arrivée que nous avons vraiment beaucoup appréciée, et avec cette direction, avec cette équipe, eh bien, le projet s'est vraiment finalisé, quoi. Le projet a été il a été forgé par l'équipe elle-même. Et ça, c'est beaucoup mieux, parce que nous sommes extérieurs, on n'a pas d'expérience particulière de la gestion d'un centre, et il faut laisser aussi faire des gens qui sont dedans, à condition que ces gens partagent la même philosophie que vous, ce qui était le cas. Voilà. Au cours de son existence, l'association Andas n'a eu de cesse de veiller à toujours rester en accord avec sa philosophie et ses valeurs, ainsi qu'à apporter aux jeunes dont elle s'occupe confort, bien-être et distractions multiples. C'est fête de fin d'année, spectacle de congrès ou encore de danse orientale. Participation au défilé de la Biennale de la Danse, piscine, match de football, mais aussi toutes sortes de spectacles de rue, balade en vélo porteur ou encore croisière en bateau, cure thermale, descente à ski, atelier move, et même d'extraordinaires vols en parapente. On n'arrête pas le progrès. Que de souvenirs inextinguibles pour ces enfants. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants? On a réussi à préserver ce qui me paraissait être l'essentiel, c'est-à-dire la souplesse de l'accueil et la possibilité de s'ouvrir à une population qui était, par définition, refusée par tous les autres centres, à savoir les personnes les plus handicapées, celles qui nécessitent le plus de soins, de présence. Si je regarde 10 ans après l'ouverture, moi je suis content de voir que toutes les valeurs, toutes les idées, toutes les choses qu'on voulait pour la vie au sein de cet établissement, mais en fait ils ont été bien repris, ils ont été soutenus, ils ont été voire améliorés par la direction, par le personnel de l'établissement. Vous l'aurez compris, Andas n'est pas qu'une structure d'accueil et de soins, mais aussi et surtout un établissement qui fonctionne grâce à la coopération, la transdisciplinarité, la souplesse d'accueil et la valorisation des jeunes ainsi que du personnel. La selle de championne pour Laura. Si je lui mets un peu de poids sur ses jambes, elle a une sangle pour qu'elle s'accroche à son disque qu'elle a mis. Ouais, elle a besoin. Alors, on va se balader où? Dehors ou dedans, les loups? Dehors, c'est plus sympa. Hein, non, on est au soleil, on est bien. Vous êtes tous prêts, les cavaliers? Voilà. Et moi, je le tiens. Allez, en route, c'est parti. Elle était super loin en promenade là aujourd'hui. Elle était super grande la promenade. Tu veux lui faire un câlin? T'as envie de rester dessus, hein? Je sais bien, la dernière fois c'était pareil.
Ouais. Les clients disent, c'est surtout voilà, l'approche, le contact avec l'animal. Et on a remarqué qu'en fonction du bien-être de l'enfant, si ce jour-là il est bien ou pas bien, ça a des répercussions sur son animal. Et on a remarqué qu'aussi ça les berce. Et là, ils s'apaisent, ils se décontractent. Des enfants qui ont du mal à se tenir un petit peu au niveau de tonicité, finalement, se tiennent bien. Et surtout, il n'y a pas d'a priori du poney sur le handicap. Donc, ils viennent au contact très, très facilement, comme avec un autre enfant. Et là, notre coco qui a bien travaillé, on retourne à la maison. Allez, mon pépère. Moi, c'est Sylvain Gauthier. Donc, on est étudiant au CFMI de Lyon, donc le centre de formation des musiciens intervenants. Et donc, on est en stage ici à Andas depuis le mois de janvier, tous les jeudis. On va chercher des sons, on essaye de les faire participer par plein de moyens différents, des percussions, par la voix. Où on essaye vraiment, à travers la musique, peut-être développer de nouvelles compétences, on pourrait dire, ou de nouveaux moyens d'expression et aussi de conscience de soi, de son corps, de pouvoir déclencher, faire du son, produire du son. Il a joué tout à l'heure une flûte pour chercher, pour appeler, mais il est dans le désert. Mais ce serait difficile de trouver de l'eau. Il n'y a que des serpents. Il veut couper. Un jour, le vieux dit à la vieille, j'aimerais bien manger une bonne galette. Je pourrais bien t'en faire une, répond la vieille. Si seulement j'avais de la farine. Oh, t'inquiète, on va bien en trouver de la farine. Sur la fenêtre, au bout d'un moment, je vais te manger, crie le loup. Non, 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 je voudrais bien t'entendre. Qu'est-ce que tu chantes? Je m'appelle Stéphanie. Donc on va faire un atelier ensemble ce matin. Il s'agit de se servir de son corps pour créer des formes blanches. D'accord ? On va utiliser pour ça du plâtre, des bandes de plâtre, okay ? Qu'il va falloir tremper dans l'eau et en fait pour faire des empreintes de différentes parties de notre corps. L'idée c'est d'avoir plein de formes. On va assembler ces différentes formes ensemble pour réaliser un bel arbre. Alors, avant, on met de la crème.
On met le plâtre sur le bras, comme ça, et on caresse. Après, on en prend une autre. Et on recouvre toute la partie du corps qu'on a envie. On peut les superposer, c'est bien de le faire à deux. Et on caresse bien pour que ça soit bien collé à la peau. Shaïma, elle est jolie celui-là. C'est une belle branche, ça. Ouais, c'est ça. Ah, ben alors, on revient. Tu reviens. Mais change de. Tu peux faire les doigts. Les doigts. C'est bon après. Excellent. Le site des subsistances, c'est très très grand. En tout, ça fait 22 000 mètres carrés. Vous êtes prêts? Vous êtes concentrés? Attention, c'est parti. Là, au niveau de la balnéo, c'est de profiter vraiment de la chaleur de l'eau. L'eau est très chaude pour travailler vraiment sur de la détente. On peut explorer plein de sensations différentes avec l'eau. Et l'eau permet d'avoir aussi une facilité de mouvement, de vraiment libérer la motricité, d'exploiter des positions qu'ils ne peuvent pas forcément avoir dans le milieu aérien, sur le ventre, debout. C'est très intéressant. Ça fait partie de notre projet pédagogique. On a choisi le jardin. En général, c'est le lundi, mais en fait, il faut y aller un peu tout le temps, toute la semaine. On est en train de préparer les radis, là. L'idée, c'est un peu de planter différents fruits et légumes et de les voir partir de la base et les faire pousser toute l'année pour qu'on puisse voir un peu le cycle de la vie, passer du bon temps ensemble et puis quand on peut, pouvoir les déguster pendant notre atelier cuisine. Donc, ça nous permet de faire du lien dans nos activités. On a planté des concombres, des tomates, des aubergines, des potimarrons, des potirons, des tomates cerises, du poivron et du piment. Cette année, on a décidé de faire un jardin relativement propre et on ne se laisse pas envahir. Parce que d'habitude, tous les ans, on se laisse envahir par les mauvaises herbes et cette année, on a décidé que non. Comme ça, après, les jeunes y pourront accéder plus facilement au jardin parce que on va arroser simplement au pied de ce qu'on a planté. Ça demande beaucoup d'entretien. C'est un travail d'équipe, la preuve. C'est mon soutien psychologique. Voilà. Faire fondre l'ensemble au four à micro-ondes à 3 minutes au bain-marie.
Ajoutez le lait concentré sucré, puis bien mélanger à l'aide d'un fouet. Faire une intervention à peu près une fois par mois à Andasse et le but d'aujourd'hui c'était de ramener tout ce qu'on avait en termes de jeux joués sur le thème de la musique pour correspondre à l'événement de la fête de la musique de demain. On a ramené plein de jouets sonores là pour pouvoir justement secouer, taper, agiter tous ensemble. Tu vas ? Une VAD à quatre mains, c'est une visite à domicile avec deux professionnels, que ce soit deux professionnels éducatifs, mais ça peut être aussi deux professionnels paramédicaux également. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Avec sa tête il danse. Avec sa tête il danse. Avec sa tête, tête, tête. Avec sa main, main. Avec ses doigts, doigts, doigts. Dans ce champ petit. Oui, elle adore les massages, Corentine. Ça lui fait du bien. Aujourd'hui, on a travaillé avec la musique, donc sur le schéma corporel, au niveau du visage et au niveau de la tête, et au niveau des mains, pour vraiment avoir le ressenti, de savoir le toucher à travers un massage. Moi j'aime beaucoup travailler avec eux, ils sont vachement dynamiques, ils essayent toujours de trouver des solutions pour qu'on puisse toujours naviguer. On retrouve beaucoup une accalmie au niveau nervosité pour certains d'entre eux, le fait d'être au fil de l'eau. Il y a un côté apaisant un peu, il y a un côté relaxant et souvent les personnes s'endorment d'ailleurs. In fine, ce qui serait bien, c'est terminer un cycle d'une dizaine de séances et partir en mer. Ce qui permettrait d'aller en journée naviguer en catamaran et la nuit pouvoir tout le monde s'installer confortablement dans une structure adaptée. Avec les personnes d'Andasse, ça serait faisable. Qu'est-ce que j'aime à Andasse ? M'occuper des jeunes, l'esprit d'équipe. J'aime le côté familial. Ce que j'aime à Andasse, c'est l'esprit de liberté. L'ambiance, ouais, l'atmosphère. La confiance qu'on a avec les éducateurs et puis la direction. J'aime l'ambiance,
J'aime les jeunes. Une philosophie de travail et une liberté et autonomie de travail. La dynamique des équipes et puis ce que peuvent apporter les enfants dans leur rage de vivre. Moi, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Et c'est pas partout qu'on peut faire ça. Comment je vais en Andasse dans 10 ans? Ah, ça serait bien que cet esprit de famille il puisse continuer à rester, qu'on puisse continuer à aussi bien se connaître, continuer aussi à aller vers l'extérieur. Eh ben, j'espère que ce sera toujours le même esprit, avec peut-être plus de structures d'adultes, donc d'autres structures Andasse adultes. J'espère qu'on ne le verra pas, mais qu'on verra sa continuité ailleurs, quoi. En fait, voilà, c'est notre plus grand espoir. J'espère que ce sera toujours avec autant de dynamisme et de liberté et de joie de vivre. Purement financièrement, j'ai peur que plus ça va, moins il y aura moins de budget. Et qu'on garde le même budget pour continuer à les faire sortir de leur handicap, quoi. J'espère que les personnes, ceux qui constituent les équipes, auront des forces d'alerte suffisamment fortes pour résister. Idéalement, il ne faudrait pas que ça bouge, quoi. Ce serait génial, parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour bien réussir, quoi. Bon, mais ce que j'ai envie de dire pour ces 10 ans, c'est merci à vous tous, professionnels, familles, enfants, pour votre engagement, et puis continuer comme ça pour les 10 années à venir, et je pense qu'on fera encore de belles choses ensemble.